Tu es là? Oh, Mathéa, qu'est-ce qui se passe de si bonne heure? Tu vas m'apprendre une mauvaise nouvelle, je le sens. Tu la connais pas, la nouvelle? Mais non, comment le saurais-je? C'est une mauvaise nouvelle. La mort d'un homme n'est jamais une bonne nouvelle. La mort d'un homme, et de qui? De chez nous? Mais oui, de chez nous, ton cousin, Dominique. Non, Dominique, c'est pas possible. Il faudrait un train pour l'abattre, et tu sais bien qu'on n'en aura jamais à Méroulli. Ne plaisante pas, c'est sérieux. Il a été tué d'un coup de fusil dans le dos. Oh, les lâches! Non! Tu sais rien? C'est pas possible. T'es sûr que tu sais rien? Non, si tu me l'apprends, comment le saurais-je? Tu le jures? Eh oui! Les gendarmes vont venir. Ils vont venir ici, chez moi? Oui, parce que... Du côté de Ricotte, c'est le gamin Picatte qui a trouvé le corps. Et le gendarme l'a ramené. L'enquête va commencer. Je suppose qu'il visite tout le monde, toutes les maisons. Oui, mais tu sais qu'il leur faut un coupable. En quoi je serais intéressé dans cette affaire, moi? Les gendarmes, ils connaissent toutes vos histoires d'indivision. Et ils savent même les menaces de la Saint-Jacques 89. Tu te souviens quand Dominique il avait agressé Marie? Je me souviens, tu te souviens aussi. Cette brute, c'est lui qui avait agressé Marie. Je n'ai fait que la défendre. J'ai sauvé son honneur. Je ne vois pas en quoi je serais impliqué. Dans l'indivision, je ne suis pas tout seul. On est quatre cousins, donc pourquoi ça tomberait sur moi? Il leur faut un coupable. Tu veux dire que vraiment, j'ai compris. Mettre mon honneur en cause. J'en ai peur. Je vais les voir. Et tout de suite. C'est pas possible, ça. On me menace. Non, c'est impossible. J'y vais, j'y vais. Bon, il faut prévenir Marie. Tu y vas. Je te laisse.